Voilà, 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous nous entendez? Hop, on va arrêter ceci. Donc, titre début, on s'en fiche. On va repasser sur la scène principale. Voilà, est-ce que tout marche bien? Ça, je peux fermer. Le son 1, 2, 1, 2. Le son bouge quand je parle, ce qui est principal. Du coup, il est 20h02. Le chat est prêt. La manette est ready elle aussi. Bon, on va commencer. Yo, salut tout le monde, c'est Juvin Bros. Et on se retrouve du coup pour ce 14e live sur ce 14e live sur le hack de Super Mario World, hein, donc The Synchronicity Project Reloaded. Et du coup, bah, 14 lives, on est bientôt à la fin, donc la dernière fois on avait galéré sur... Oh là, j'ai eu la peur de ma vie. Ouais, j'ai eu la peur de ta vie, t'as eu la peur de ta vie, ouais. La porte, s'il te plaît. Oh là là. Bon, voilà, ça commence bien. Donc... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente Vincent Bros. Oui. Hein, voilà, comédien depuis 10 ans maintenant, c'est ça? Oui. À la comédie française, bien sûr. Quand même, oui. Qualité avant tout. Donc voilà. Donc, alors, on dit bonsoir. Bonsoir à Nexus One 13. Nexus One 13, Ken qui est là pour cette fois-ci, encore une fois, merci. À Metka, oui, voilà. Donc, ben, bonsoir à vous tous. Donc, oui, donc on a fait. Jonathan. Ah, Jonathan Guy, un seul Jonathan, salut Jonathan. C'est une personne. Ah, oui, je c'est une connaissance, c'est une personne que je connais. Du coup, oui. Donc salut à vous. Donc oui, bon, puisqu'en fait demain, on vous dit avant, il n'y aura pas de live spécial Halloween parce que on a une vie sociale et donc on est invité. Ah bon? Oui. Ah.
On a invité, du coup, il n'y aura pas Level Wins, pour ça on a Monsieur fait Derulo de... vient d'arriver sur le Ah, chat. mais bonsoir avec un S, Monsieur Derulo. Et oui, avec le S, faut pas l'oublier. Donc on a fait petite ambiance Halloween, hein, rapidos, rapidos. Vincent a voulu me tuer, bon, comme ça, au passage. Ah, c'est dommage, je Donc suis voilà, pas on va encore ici. continuer ce fameux hack. Donc, oula, le, la, ouais, c'est là. Dites-nous si le son de nos micros est bon, si le son du jeu, lui, est bon. Ouais, du coup, ça sert à rien. Hop. Oh, on vient. Oh bah tiens, tu as lancé le Minecraft. Ah, ça, c'est un peu. Ah, ok, non, ça, ok. Excusez-moi, c'est une petite erreur de ma part. Ah, Paul Gourmand vient d'arriver sur le chat. Bonsoir, Polo Gourmand. Oui. Comment se passent tes Ah. vacances? Allez, bientôt la reprise, hein. Faut Ah, mais tenir. c'est pas possible. Eh, je vois pas où est mon curseur. Voilà, c'est bon. Première fois que ça le fait. Alors, oui, bonsoir, Polo Gourmand. Oui, bah, bonsoir, Jonathan. Ok, tout le monde nous dit que c'est bon. Je vais augmenter un peu le son dans mon casque. Donc, Oh, voilà. ça va. 14e session déjà. Oui, donc, est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Parce que, du coup, plus fort le micro, STP. 1, 2. Ah, peut-être que je le rapproche de ma bouche. Là, 1, 2. normalement, ça devrait être mieux. Donc, et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Parce que, du coup, oui, c'est la fin maintenant des vacances. Hop, je vais enlever un peu le. Je ne t'entends pas. Ah, oui, j'ai que 5 mégas de verre. Ah, c'est triste encore. Attends, Vincent, nos micros, oui, nos micros réagissent. Oui, bah ça Allô? doit être toi qui Oh, l'aime. ben bonsoir, Romain. Ah, Non, mais c'est lui, il bonsoir. doit faire. Oui. Il doit troller. Connaissant Paul Grand. Bah, ok. Bonsoir Romain, comment vas-tu? Comment Bonsoir, Romain. allez-vous tous? Tant qu'on est donc. On avait fait Chaos Complexe, le niveau qui avait duré 1 heure et demie, si je me souviens bien. Une heure, ouais, 1 heure et demie. Donc maintenant on va faire Brain Day. Ah. Le son est bon, oui, voilà. Notre intervenant extérieur nous dit que le son est bon. Donc Monsieur Paul Gourmand est un vilain troll. Donc Vincent au chat comme d'habitude, on va loader la save state. F4. F4. Nickel, brain damage final. Putain, j'allais dire F2 tout à l'heure. C'est Alors, parti. Romain va bien et Metka aussi. Ah bah tant mieux, Il nous tant mieux. demande comment nous allons. Bah ça va plutôt bien, hein. Un peu triste que. Ouh, un peu triste que ce soit la fin des vacances. Mais bon, il y a une fin à tout, même aux meilleures choses. Et donc voilà, donc on va se refaire rapidement au rythme scolaire, tout ça. Je sais pas où est-ce qu'il faut aller. Ah, Tiens. voilà, il y a un mur. Je vais longer le mur. Tout cas, c'est très passionnant. Ah! Peut-être fallait que je tombe sur le X. Très bien. Wow. Ok. Super, quel niveau incroyable. Ouais, j'avoue. On est encore, tu sais, dans le. Ah, bah, il y a une Très fin à bien. tout. Bon, alors, c'est-à-dire qu'un endroit, il doit y avoir. Il doit y avoir. Un tuyau, une porte. On va essayer de longer l'autre mur. Ah, mais il n'y a pas d'autre mur. Ah, si, il est là. X, X. Ça veut dire quoi en Appuie sur fait? X. Et deux fois sur X. Oh, ça fait rien. Spam Ah, ok, en X. fait. Ok, les deux murs sont là. On va essayer de tomber. C'est ça, le mur, il est là, ouais. On va tomber pile au milieu. Romain dit toujours les deux frères. Eh oui. Eh oui, Que ça bah serait pas un toujours vrai lui, live, ça serait pas malheureusement. un, ça serait pas un vrai live s'il n'y avait pas Vince et Juju. Ah. Ah, nous avons un appel. Il est sérieux, C'est qui? lui. Monsieur Polo Gourmand, si tu veux parler, tu peux parler dans le chat, hein. T'as allumé tes haut-parleurs? Oui, aussi. Putain, mais c'est où qu'il faut tomber? Ça m'énerve. Alors, Ken dit encore un niveau, on va rien comprendre. Ah, oh oui, non, mais là, tout ce monde, c'est un truc n'importe quoi. Oh, bah Ah, tiens, bon, putain, ok, mais bon, trop bien maintenant la on sait. solution. Maintenant on sait, il y a une porte ici. Et bon, je veux dire, la première fois que tu fais ça, tu peux pas vraiment savoir. Limite, ça serait mieux des plumes. Putain, j'ai des messages. C'est perturbant quand vous avez un message que vous pouvez pas le regarder, Et n'empêche. surtout quand c'est un mec qui est sur le chat. Non, mais il veut troller. Hein. Oui. Il est comme ça. Il est né comme ça. Derulo aime bien ce niveau. Ah, c'est un peu psychédélique, hein, l'ambiance, tout ça. Là, je fais gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, très rapidement pour essayer de garder une position, une descente plutôt verticale. Nexus 13 dit que ce niveau a l'air space. C'est Invaders. Oh là là, quelle blague, Vincent, merci. N'oubliez pas, Vincent, avec la comédie française, mais aussi Retrouvez-moi. au Grand Rex de Paris,
entre le Cyprien. Ah bonsoir, bonsoir The Drake. Entre le Cyprien Gaming Show et le Norman fait sa tournée. C'est bon. Et là, Vincent fait des blagues. Vincent fait des blagues. Oh putain. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, on a du temps. Beaucoup donc, de temps. Ouais, si on se prend un time-up, c'est qu'on n'est pas doué. Ça me rappelle un easter egg dans Sonic CD. Ah. Ouais. Ah, on peut pas tomber. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On peut pas tomber là. Ah, mais on peut. Oh, c'est. Me dis pas que c'est un genre de labyrinthe. Oh. Désolé. Alors. Bon, ça va être chiant. Donc, va sans meuble. Alors, The Drake, je vais te répondre très simple. Non, parce que le live Halloween n'aura pas lieu. Vu qu'on a, d'après Julien, une vie sociale. Attendez. Une oui. Vie sociale. et qu'on. Je vais dire. Il me gonfle ce type. Qu'on a apparemment une vie sociale. Samedi, on ne peut pas faire de live parce qu'on doit aller chez des gens. Voilà, exactement. Et donc, du coup, on a mis quelques trucs. D'ailleurs, c'est dommage que tu n'as pas vu la petite intro parce que j'ai failli réaliser mon rêve, c'est-à-dire tuer Julien. Ça va, Julien? Hein? T'es sûr que Paul Gourmand n'écrit rien dans le chat là? Rien du tout. Bon, bah, ça, il troll. Ou si tu le trolles pas, dis-le que tu trolles pas, mais c'est-à-dire qu'il trollera quand même, vous voyez. Alors. C'est un mec space à comprendre. Putain. Et donc c'est un live Halloween, donc j'avais personnellement ce masque. Attendez, il est là. J'avais personnellement ce masque. Ouais. Et cette machette. Je me mets en silencieux, comme ça moi, la sonnerie me déconcentre plus. Ah, il y a plus de musique. Dit, chez moi, il vient chez moi. Quoi? Ah oui, mais oui, Paul Gourmand, c'est... Ah oui, c'est bon, oui. Ah, t'es pas doué, Vincent. Non, mais j'ai confondu avec Burger. Non, Burger King, c'est l'autre. Bon. Alors, sinon, vous, comment ça se passe votre semaine, hein? Parce que là, je veux dire, on a un peu le temps. Ah, Rouleau dit, c'est la... Oui, c'est la forteresse. C'est la forteresse? Oui. Ah, bah en plus, il vient de se... Paul Gourmand vient de se faire voir, parce qu'en nous disant qu'on pouvait pas venir qu'en disant qu'on devait aller chez des gens, et bien il a révélé qu'en fait il nous entendait, il nous a trollé. Oh putain, mais c'est quoi ce niveau de merde encore? Et on a pas de pause ces temps-ci, hein. On a que des niveaux de merde. On va prendre un autre chemin à part là. Pourquoi tous les soirs il faut que Ken on ait un niveau de merde? Oui, j'avoue, là le pauvre. Ah, là on peut remonter. T'es chiant, Julien. Mais c'est pas ma faute. Là on peut remonter. Non, on peut pas. Ah, si, on peut remonter par là. Putain, en plus ça. Mais il faut aller où? En bas ou en haut? Il faut remonter. J'avais vu une porte en haut. Sauf que je pouvais pas l'atteindre. Donc là je vais essayer de remonter. Mais ce truc là, c'est. Ces trucs un peu épileptiques là. Ça. Je devais que va manger. Qui? Je devais que va manger. Ah, bah bon appétit à toi. Putain, ça fait mal aux yeux ce truc. T'as le fond qui bouge là, t'as les petits ronds là, enfin les carrés qui font des ronds. Vous voyez, c'est n'importe quoi. Et on a plus de musique. Ah, Romain va se doucher. Ah, bonne douche à toi. c'est un peu délicat de dire ça en live. Bah, il suffit juste de prendre au premier degré, pas d'autre sens du terme. Non prévu. Voilà, sur le tutu. Candy, je suis un peu triste de ces niveaux, c'est vrai. Ah bah oui, non, mais là, il y a de quoi, hein. Mais je crois que là, on est bientôt arrivé à la porte. Mais bon, si je meurs, là, je me sens pas de faire tout ça, hein. Moi, la porte. Moi, je me sentirais pas de te regarder jouer encore. On a la porte. Ah mais ok, ça va. Oh putain. Mais prends le checkpoint, espèce d'imbécile. Bah c'est bon, ouais, mais j'ai peur, en fait. Il me faisait peur. Ouais, c'est ça, trouillard. En tout cas, là, on a plein de portails désactivés. Ah, Metka vient de dire, aujourd'hui, j'ai terminé Paper Mario Sticker Star. Ah, le... Oh putain, le Paper Mario sur TS, alors. Qu'en as-tu pensé avec cette mort lamentable? Va te doucher, ta mère va t'engueuler. Je comprends pas. Non, mais j'ai le... Ah, oui, c'est bon. La faites pas, s'il vous plaît. Tout.
Ah! Ah, mais c'est des rebonds, disseurs. Ouais. Ah putain, me dis pas que tout le niveau il va être fait comme ça, sinon si. Je le sens au pas. Pire, tu pourrais repartir d'un niveau et ouais, je pourrais prendre une plume. Ce sera plus simple. Notre intervenant extérieur. Quoi? Et ce netplay, Vince, quel netplay? Quoi? Un netplay, on parle d'un netplay. Et qui dit ça? Qui dit ça? X73 dit, et ce netplay, Vince. J'ai pas fait de netplay, moi. Non, c'était moi qui ai fait netplay. Hein. Oui. Nexus 13, voyons. Mais on va pas en parler parce que. Enfin, à moins que monsieur Desrouleaux. Parce que oui, on l'avait déjà dit qu'on avait fait. Oh putain, ok. On allait faire une des parties en netplay. Mais on n'avait pas dit sur quel jeu, tout ça. Donc, est-ce que monsieur Desrouleaux, on leur donne le titre du jeu ou pas du tout? Ou est-ce qu'on leur garde la surprise? Oh merde! Polo Gourmand dit trouilleur, un mot sympa de la part de Vincent. Oh putain, c'est chaud! Ah, moi je dis rien, mais très bien, on dit rien, vous le saurez uniquement quand les épisodes sortiront. Moi je vais chercher une plume là, c'est bon. J'ai pas envie de passer 1h30 sur ce niveau. Plus ça, c'est un boss un peu space. C'est le cas de le dire. Donc là, ouais, un petit spot à plume rapidos. Et j'espère qu'on va pas être en manque de vie. Ça, c'est un problème qu'on peut avoir. En tout cas, là, sachez les amis qu'on arrive. On arrive vers les derniers lives. Donc, je pense que il restera grand maximum. Je dis bien grand maximum. Il restera 3 lives avant la fin de ce hack. À moins qu'il y ait encore un truc après. Mais si je me souviens bien, il nous reste normalement. Il nous reste. Moins de ce 15 niveaux. Bah déjà, on est ouais, il nous reste moins d'un monde à faire si on comptabilise tous les niveaux qu'on doit faire. Mais il y a quand même un niveau encore assez chaud. Donc lui, on risque de passer du temps, ça risque d'être encore un niveau, on va passer un live dessus. Je vous dis pas lequel c'est. Mais donc si on a de la chance, 3 lives. Ah, Gabriel Boom vient d'arriver sur le chat. Ah, bonsoir Gabriel Boom. Si on a de la chance, 3 lives grand maximum. Si on n'a pas de chance, ça sera plus. Comment vas-tu Gabriel Boom? Alors comment se passaient tes vacances du coup? Parce que ça va être un peu ça le sujet de conversation de ce soir. Les vacances qui finissent, qui prennent fin. Non, toi je t'aime pas. Ah mais putain, moi je pensais que ça. Ah. Et vas-y. Mais dis-le aussi que je peux le taper. Et la manette qui se tire pas, ça c'est un problème. Il faudrait créer des câbles qui soient tout le temps tendus, même quand t'as enroulé ta manette pour la ranger. C'est quoi? Putain, c'est tellement bien. Parce que là, c'est énervant. Là, en gros, j'ai la manette, le câble qui glisse par là-bas, et du coup, ça m'énerve parce que quand je joue, j'ai mon index gauche qui touche le fil, et ça, j'aime pas. Vous voyez, c'est pas des bonnes conditions de jeu, comme dirait Usul. Ça va m'énerver, franchement. Je vais mettre ça ici, je vous mets ça là. Il y a l'USB qui est un peu enroulé. Ouais, je sais, mais c'est parce qu'à chaque fois, en fait, quand j'ai fini, j'enroule la manette et tout. Donc, mais voilà, c'est à cause de toi, alors. Oh, mais non, mais je vais relancer, bah vas-y. Mika a bien apprécié le jeu. Ah, tant mieux. Moi, je crois que je l'ai jamais fini, Sticker Star. Faut dire, le principe des stickers est sympa, mais le truc, c'est en fait, à chaque fois, j'aime bien, moi, tout garder dans ce genre de jeu. Et genre t'es obligé d'avoir un nombre limité de stickers avec tes pages de stickers et ça m'a un peu saoulé. Si je peux le dire. Alors Ken dit autant la première semaine était cool, autant cette deuxième semaine, mon dieu, ça passe vite et je peux pas bosser. Et je veux pas bosser. Ah mais tu m'étonnes. Ah Ken aime bien. Oh toi aussi t'aimes bien Usul. Ah ça fait plaisir. Ça fait plaisir de trouver quelqu'un qui aime bien Usul. Qui connaît les jeux Usul. Ouais. Parce que moi je me souviens quand j'en parlais d'Usul à mes amis, ils disaient ouais c'est qui ce type, et après hop il passait sur une vidéo de Cyprien. Oh Cyprien. Autant oh, c'est nul. Non pas de Cyprien, de Squeezie pardon. Donc oh, autant vous dire que moi à côté j'étais pas ravi. Mais bon ça c'est les copains, vous savez on a tous. Alors... les goûts, les couleurs sont dans la nature, un truc comme ça. Du coup Vincent au chat, oui. B
Du coup, The Way, que pour te répondre à ce qu'on va faire pour Halloween, eh ben on va rien faire. Exact. Techniquement, non. Non, toi je t'ai pas. Oui, oui, oui. Toi, je t'ai tué. Oui, petite feint. Ah, bah voilà, au moins une personne qui est bien, c'est Key Squeezie de Jonathan. Ah, ça fait plaisir, bien. Voilà. Voilà. Bah, tu peux chercher Squeezie sur Wikipédia, je pense qu'il doit avoir une page Wikipédia. Non, on n'est pas là pour critiquer. Non, on n'est pas là pour critiquer. Voilà. Oh putain, non, mais ça, je vais mais pas c'est aimer. C'est pas mon youtubeur préféré. Juste à dire, voilà. Oh merde. Ah, ça, je vais pas aimer par contre. Oh merde. Moi, je m'en fiche. Là, moi, je prends les plumes directement. Pas envie de repasser une heure et demie sur un niveau. C'est bien qu'on avance un peu. Hein. Ah là. Voilà, lui aussi il est bien, The Dwake. C'est un youtubeur à deux balles, voilà. Après, les goûts et les couleurs, on n'est pas là pour imposer. On n'est pas là pour dire lui il est nul, lui il est bien. Nous, on dit juste notre propre. Oula. Julien, on dit juste... oui. Une question. C'est un youtubeur à deux balles, c'est du démonstratif. Oh Vincent, s'il te plaît. Non, juste une question. C'est. Non, c'est le verbe être. Oui, mais donc du coup, c'est apostrophe ou. Oui, c'est apostrophe. Ok. Donc, oui, donc tu te tais maintenant. Parce que t'es pas le mieux placé. Je crois que le seul mieux placé pour reprendre quelqu'un sur son orthographe, c'est Monsieur Larousse et Monsieur Robert. Et c'est les deux seuls qui peuvent un minimum. Et moi aussi, je peux faire mon one man show. Qui peuvent un minimum reprocher un truc à ton orthographe, parce qu'ils ont fait le dictionnaire, donc voilà. Par contre, si tu reproches un truc à Monsieur Larousse, à Monsieur Robert, et que t'as raison, là, t'es un champion, mon gars. Alors, Gabriel Boom dit, c'est pas comme Hugo Délire avec sa voix cassée, là. Hugo Délire, putain, je connais même pas, oui. Je connais pas, moi, je crois que je l'avais vu avec Terracide. Terracide qui est un excellent youtubeur, il faut l'avouer. Les goûts et les couleurs sont à la nature, merde. On va arrêter de parler de ça. Ça c'est le sujet à débat qu'on va satiser la haine de tout le monde après. Allez, alors Polo Gourmand dit XD la Juju secte. La Juju secte. Tais-toi. Et The Dweck dit et Madame Pennec. Ah ça c'est une private joke Vincent. Oh j'en ai marre, je vais pas réussir à passer. Hugo Posé, pardon, putain c'est qui lui aussi. Ah Hugo Posé. Ah non pas lui, pas Hugo... celui de. Non Hugo Posé c'est pas Hugo tout seul. Oh putain oui, je crois que j'ai vu un jour une de ses vidéos comme ça, genre il avait fait, je sais plus si c'est lui, mais je crois qu'il s'appelle Hugo, de toute façon ils s'appellent tous Hugo. Il avait fait une vidéo sur Super Mario Maker, oh merde, j'ai arrêté au bout de la deuxième minute, j'ai dit c'est bon, je vais pas tenir. Et pourquoi, il est vraiment autant nul que ça? Bah déjà, faut dire il était pas super bon, bah c'est encore, ça je dis pas, parce que genre j'adore regarder Hooper et pourtant c'est pas le meilleur joueur du monde, tu vois, mais genre tu sais il était pas... Il y a des personnes, genre des fois il y a certains youtubeurs comme Squeezie, tout ça, je trouve en fait ils en font 10 000 fois trop, ils sont pas sincères dans leur réaction. Genre quand ils meurent dans un jeu, ils sont obligés d'en faire tout un plat, de faire toute une mise en scène, tout ça. Alors que normalement, en vrai, si tu meurs dans un jeu, au pire tu rages beaucoup, mais tu fais pas toute une mise en scène en disant tout ça. Oh putain! Voilà, bon, je vais me taire parce que ça va me porter malchance. Putain, mais j'utilise des mots, je sais même pas ce que ça veut dire. Le truc que tu dois faire quand tu fais des vidéos, c'est surtout faire de pour de vrai. Parce que si tu fais pas. Si tu te forces, ça va être de la merde quoi. Oui, mais pourtant, Vincent. Il y a des personnes qui. Il y a des personnes qui aiment la merde. Hein. Non. non, je retire ce que j'ai dit. C'est pas ce que je voulais dire. Il y a bien des personnes qui boivent leur propre urine. Ce que je voulais dire, c'est que. Il y a des personnes pour tout. Je veux dire, il y a des personnes qui peuvent aimer, aimer les documentaires animaliers sur Arte. Il y a des personnes qui peuvent pas aimer, vous voyez. Alors, non, mais pas ça. Polo Gourmand dit, regarde Domino et Zera et oui. Faites pas chier. Bah, c'est qui les veut. Alors, Jonathan dit, le meilleur... Oh putain, merde, qu'est-ce que tu fous. C'est vrai, j'avais oublié ces trucs de merde. Putain, tu donnes des coups de pied dans ta propre lame, mais t'es doué, toi. C'est con. Alors, Jonathan dit le meilleur c'est Skirat. Ouah! Jonathan, ah merde, putain, quel con! Dit aussi et elle de Domingo. Alors, putain. Pour des rouleaux, moi j'aime pas trop Squeezie parce que il prend trop la grosse tête dans ses vidéos. Ah voilà. Ça va, Julien?
Ça me fait un peu bizarre avec Hostel. On peut le prendre une conversation. Alors, n'importe. Gabriel Boom 13 dit n'importe quoi. Il s'amuse, Squeezie. Franchement, je l'aime bien. Alors. Mais après, oui, c'est comme on a dit. Chacun a ses goûts. Après, on critique pas. Hein. Vous pouvez regarder tout. Vous pouvez regarder, je sais pas. Les anges de la télé-réalité, vous pouvez regarder Man vs. Wild, nous on s'en fiche, hein, c'est votre vie. Après, on dit juste notre opinion. Mais on vous incite pas à faire tel ou tel truc. Voilà. Mais après, on peut débattre par contre. Ça c'est bien, ça c'est un débat, vous voyez. Faut pas dire ouais, ça il est bien, ça il est nul, point. Faut expliquer. Et ça c'est bien, vous voyez. Ça c'est les débats, c'est constructif, ça permet d'avancer dans la vie. Mais bon. C'est un débat. Alors, parmi d'autres. Question. Enfin. Moi je préfère Gabriel Bou. Ah, sacré Gabriel. Ah oui d'ailleurs. C'est une bonne blague ça. Avant qu'on enchaîne. Alors Gabriel Boum. Ta bannière. Attends juste deux secondes. Oh. The Dwake. Question pour tout le monde. Quel est votre youtubeur préféré? Ça c'est une très 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 bonne question, The Dwake. Alors Gabriel Boum. Son. Gabriel Boum, donc son youtubeur préféré c'est Gabriel Boum. Bah ça va. Alors Jonathan dit j'aime pas Gabriel Boum, trop prétentieux. Je pense que tu peux l'appeler Jonathan. Enfin Jonathan, est-ce que tu préfères qu'il t'appelle Jonathan ou Jonathan? Ensuite The Day dit hashtag juju politique. Gabriel Boum 13 dit Gabriel Boum est mon youtubeur préféré. Putain. Gabriel Boum dit que son. Mais oui, alors attends, je réagis à propos de la bannière. Gabriel Boum, je sais pas si t'as remarqué, on a mis la bannière enfin. La bannière sur YouTube. Alors, c'est pas ta bannière. Parce qu'en fait, Nexus One 13 l'a modifié. Mais en fait, on a repris le design général et l'idée générale. Non ! Oh, oh putain ! On a repris le design général et l'idée générale. Jonathan, en gros. Ok. Jonathan. Jonathan ou Jonathan? Attends, Julien, il faut que oui. Tu m'aides. Quoi? Jonathan, je okay. Pense. Ou en, ouais. Jonathan. Carcadaron et Juju. Carcadaron, ouais, c'est Hooper. Ben, merci à toi. Mais merde, je disais quoi? Oui, donc Gabriel Boum, ta bannière. Alors, on a ta bannière. On a Next One 13 a un peu modifié la bannière. Mais on a gardé l'idée générale. Non. Merde. On a gardé l'idée générale l'idée générale et la disposition des éléments. Du coup, merci à toi parce que c'est toi quand même qui a donné l'idée. Et à savoir que si vous voulez voir la bannière originale que Gabriel Boum avait fait pour notre chaîne YouTube. Vous pouvez la voir dans la galerie photo sur le site, donc juvisbros.fr, en haut, dans le menu photo. Vous allez dans la catégorie site juvisbros, donc site JVB, bannière, et là vous verrez la bannière de Gabriel Boum, donc l'original, et la nouvelle bannière. Demetchi est arrivé. Ah mais bonsoir Demetchi, how are you? Alors, have you passed a good holiday? Julien, d'ailleurs, c'est quoi ton youtubeur préféré à toi? Ah c'est difficile à dire. Mon YouTube. Pour The Dwake, c'est le JDG. Mon YouTube. Ah, aussi Jonathan dit c'est en. Comme quand tu. Voilà, c'est en. Alors attends, mon YouTube préféré, c'est une très bonne question. Vincent, c'est quoi ton YouTube préféré? Tiens, en attendant. Bah, moi, Julien, d'après toi, ce serait qui? Je sais pas, Alain qui était racide. Eh ben non. C'est. Il va sortir un truc que je lui attendais pas du tout. C'est Monsieur Coty. Et j'ai. Je regarde plus trop une vidéo de Monsieur Coty, mais je vais expliquer pourquoi c'est. Je trouve que c'est mon youtubeur préféré. Alors, déjà parce que, contrairement à Alain qui est d'Arcide, qui sont très très préservés, Monsieur Coty, lui, et ben en fait, il est pas vraiment réservé, justement. D'ailleurs, il fait des vidéos, il raconte toute sa vie, les événements marquants, les hontes, tout ça. Et même il fait des rapports avec des abonnés, par exemple il avait dit dans une vidéo FAQ, je crois la 69, où il avait dit que voilà, il préférait que quand on le croise dans la rue, qu'on était abonné à sa chaîne, on le tutoie parce que ouais. Voilà, pour lui on est des copains, tout ça. Ah. Et ça moi je trouve qu'un youtubeur est bon,
quand il apprécie ses abonnés. Bah c'est la moindre des choses quand même. Mais voilà quoi, les... Il y a quelques youtubeurs, genre, je sais pas, Cyprien, tout ça, ils s'en foutent un peu de leurs abonnés. Hein. Je veux pas dire. Mais... Bon, t'en sais rien, ça, Vincent, tu dis ça, mais. Oui, c'est vrai, mais. C'est vrai, j'en sais rien. Mais tu sais, c'est pas non plus pas bien de dire toute sa vie privée sur YouTube, hein, parce que sur Internet, c'est facilement. Ça peut être facilement vu par des gens, et des gens avec des mauvaises intentions parfois. Et après, tu peux te retrouver avec plein d'histoires sur le dos, hein. Donc. Je veux dire, le fait qu'il soit réservé ou non, ça dépend parce que, en soi, en soi, quand tu regardes un youtubeur un peu connu, quand tu regardes Joueur du Grenier, enfin, pas si, j'allais dire Cyprien, mais on peut pas prendre Cyprien parce que lui il fait des podcasts et les podcasts ça se base souvent sur des expériences que tu as vécues toi, donc c'est normal qu'il parle de choses qu'il a vécues, genre quand il parle de son corps, j'avais un truc mariage gay ou je sais plus quoi là. Et mais genre tu prends le JDG, à part dire que dans son enfance il a joué à tel ou tel jeu, on sait pas grand chose de lui dans ses vidéos, hein. Si tu sais, tu sais son nom de famille, son prénom, non, quand il est au générique, autre chose. Mais après je veux dire, si tu veux vraiment avoir des informations sur lui, faut que t'ailles genre lire les bouquins ou aller voir sur chercher vraiment sur internet tout ça, tu vois. Non. Il le dit pas dans ses vidéos, donc il le dit un moment pour lui. Le meilleur kebab de Bretagne, c'est la Suzanne Kebab. Oui, mais non, mais tu comprends, Vincent. Oui. Tu vois, il dit pas là où il a pas un signe. Pour moi, c'est cette raison qui fait que Monsieur Poitier, c'est un youtubeur préféré. Et surtout parce qu'il il invite pas mal de fois ses abonnés à venir jouer avec lui. Mm-hmm. Comme toi, quand t'avais fait le netplay avec Monsieur Derulo, par exemple. C'est plus Monsieur Derulo qui m'avait invité, je t'ai appris. Oui, enfin, oui, c'est... Ah, putain. Eh bien joué, du con. En plus, tu fais carotte, ta... Alors, donc... Nexus 13, le youtubeur préféré de Nexus 13 est Tuzul. Ah... Alors, Derulo, mon... Motion maker préféré sur Dailymotion, c'est Monsieur Kenken. Ken. Putain. Mais vous kiffez tous, putain. Bah c'est bien. Faites l'amour, pas la guerre. Bah tu vois, il y en a même. Gabriel, par exemple, il s'auto-kiffe lui-même, tu vois. Moi, il est sûr de pas être déçu. Alors, Nexus 13 dit aussi. Oula. Sinon, merci Dorian. Alors, Zulweg dit, moi, je trouve la chaîne de Cyprien Gaming qui sert un peu à rien. Moi, c'est ce que je pense. C'est ce qu'il pense, en tout cas. Ouais, bah. Donc, oh putain. Ça me rappelle un truc que j'avais vu, que j'avais entendu parler. C'était en fait Shigeru Miyamoto qui était venu en visite, je crois, à la PGW. Donc, c'était pas la PGW, c'était un salon qu'il y avait avant. Ah, bah c'était pas au Toulouse Game Show ou un truc comme ça, là, ou TGS. Mais on va pas annoncer de choses parce que si c'est pas ça, voilà quoi. Mais il était allé à une convention comme invité. Et il avait fait une séance, tu sais, avec tout un peu les youtubeurs français, tout ça. Par exemple, avec Marcus, tout ça. Et avec Marcus, ils étaient ravis de voir Shigeru Miyamoto, qui est presque un dieu du jeu vidéo. Parce que oui, il fait partie des pionniers. Nintendo, il a inventé Mario. C'est comme Stanley pour Marvel. Pas un pionnier, mais il a révolutionné pas mal de choses. C'est comme Stanley pour Marvel. Oui. Hein. Marvel serait certainement moins bien s'il n'y avait pas Stanley. Hein. Et là, c'est pareil pour Nintendo. Il serait certainement moins bien s'il n'y avait pas Shigeru Miyamoto. Et donc, ils étaient ravis tout ça. Et avec Cyprien Gaming, et ben là, c'était plutôt. T'es qui toi, je te connais pas. D'ailleurs, il y avait un truc quand l'esprit un gaming il testait quoi déjà. Il testait Super Mario Maker en avance. Oh, à la fin, on voyait Shigeru Miyamoto qui est arrivé dans la vidéo qui disait vous êtes pas de vrais gamers ou un truc comme ça. Mais ça m'avait fait marrer parce que du coup, moi je sais pas s'il disait sincèrement ou pas. Oh, bah, moi j'espère qu'il disait sincèrement. Ah, c'est peut-être la fin, Vincent. Oh merde. Non, c'est pas la fin. Oh, la ferme. J'espère qu'il le disait sincèrement. Non ! Ma plume !
Ah, Metcadi, c'était la Japan Expo. Japan Expo, voilà. Et pour lui, c'est BB300. Ah oui. Non. Sur Dailymotion. Ouais. Allez, c'est la fin. Allez, c'est la fin. Allez, dis-moi que alors, je te la mets bien. Me dit, fais un live sur Transformice, Julien MDR. Qui clique Transformice. Oh. C'est qui dit ça? Gabriel Boom. Transformice, je connais pas. Qu'est-ce que c'est? Hello, alors. Hello, Mario. Je t'ai observé, Yuandova, for quite some time, pendant assez de temps, maintenant. Oui, peut-être pour trop de temps. Comme mes yeux crient, out in protest. I'm impressed by your ability. Je suis impressionné par tes habiletés. Mildly interested to be precise. Moyennement intéressé pour être précis, but who worries? Over to the detail like that. Oui, bon, très très bien. Oh! Des métiers dit nice levels. Ah! I hope it's the end of the level. It's a text. Oui, là, it's a text. T'es marrant, toi. It seems you're sweet. Il semble que tu es bon. Oh, je parle de l'octobre, j'en ai un. Ah, ton voyage prend fin maintenant. Dans ce realm of empty prosty cruise. Cependant, I believe. Je crois que je vais t'assister dans your slighty daring escape. Dans ton, je crois que je vais t'assister dans ton échappatoire là. And to know les after, après tout, I am. Je suis une connaissance. Ferme tes yeux. Voilà. Julien, ferme tes yeux. Il y a beaucoup de textes. Oh, c'est bleu. Ah, c'est bleu. Ça veut dire qu'on tourne dans la dimension. Et on a plus de temps. Et je sais va plus. Va faire ce Transformice, mais c'est quoi Transformice? Qu'est-ce que c'est Transformice? Ah merde! Ah bah il y a eu du texte. Oh, oh yes, c'est... but surely you understand. C'est un ouais, mais tu comprends, Zatimanez Sword, il a le Robox. Les Robox, c'était les ennemis là. je crois que, enfin en gros, j'ai dû arrêter le truc là pour le plan des Robox, la domination du monde. La destruction, pardon. Il a sauvé la first et la première et la deuxième reality. Réalité. Et je suis réellement convaincu qu'il a les habilités de stopper Bowser. Au cas où je vous laisserai mettre pause dans la rediff, si vous voulez. Certainement, sa victory pure, d'humble. C'est peut-être de la simple chance, de la bête chance. Il aurait pu fail plusieurs fois. Yep. But we risk nothing. Ah, c'est peut-être un truc pour dire qu'il faut que j'arrête de lire. Oui, effectivement. Arrête de lire. Oh, je suis doué. It near happens. Merci, with intervenant extérieur. I see, I guess. Well, I hope you're right. Ouais, j'espère que tu as raison, en gros. Alors. Oh, et on est sorti du lieu du monde. C'est quoi ce bout? Ah ben c'est un bout avec un œil, voilà. Ouais. Bon, alors, on est enfin sorti de ce monde. Jonathan dit, Juju va faire des lives sur LOL, au moins il n'y a pas de texte à traduire. Ouais mais LOL j'ai pas LOL, personnellement ça me tente pas trop. Bon, en tout cas on a fini ce truc. Une souris transformiste. Voilà, en fait on a fini le monde, du coup les couleurs elles sont... On a les couleurs genre quand on a fini la spéciale. La spéciale dans Super Mario World, les couleurs sont modifiées. Donc les ennemis doivent être aussi modifiés. Du coup, on va aller là-haut. Parce que là-haut, c'était le seul endroit où on n'est pas encore allé. Là, on est à la toute fin du jeu, mes amis. C'est le dernier monde, mesdames et messieurs. Ah merde, non, c'est pas là. Le dernier monde est ici. Il est là. Impressionnant. Voilà. Les nuages. Le dernier mot. Là, il y a Mars. C'est bien, Vincent. Et silence. Bah là, il y a les nuages. Silence. Putain, même le jeu, il me respecte pas. Bon, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ah, bienvenue. Ah, bah, on était pas dans... Ah oui, non, c'est vrai, dans l'autre monde, on était dans le third space, dans le troisième espace. Là, on est dans la seconde réalité. C'est l'endroit secret où Bowser reconstruit son armée volante, là, son invasion fleet. S'il vous plaît, stoppez-le avant qu'il soit trop tard. Okay. Bon, ça, je peux traduire, c'est pas très difficile. Ok, donc là, j'ai tous mes fils qui s'en mêlent. Bon, en tout cas, il n'y a pas de... Oui, on a fait le Bowser Castle, je crois. Ouais, on a fait le Bowser Castle.
On l'avait fait. Ouais, on l'avait fait. On l'avait fait Ah, et une après. souris transformiste. Putain, je sais même pas C'est ce quoi que c'est ça? ça. Ouh là, j'ai chaud. Bon, en tout cas, il n'y a Ah pas bah non, y a pas de je pense musique. C'est très l'ambiance triste. pas. Attends, on remet la musique du début. Ah oui. L'ambiance sera meilleure, bien sûr. Évidemment. En tout cas, ouais. Attention, ça peut nous perturber là, le Ah background. putain. C'est peut-être des plateformes, on sait pas. Oh. Si c'est plus foncé, c'est Oh, mais c'est le retour d'un ami. L'ami retrouvé. Et bim! Je te respecte même pas. Allez, moi j'en ai rien à Bah ouais, on l'avait foutre. dit au début, on allait bien. Pour répondre à la question, je crois qu'on avait dit. Non? Il était pas là au tout début. Ah oui, c'est vrai. Mais sinon, on va bien. Et toi, vas-tu bien? Ah, faut faire gaffe parce que voilà, les nuages, on sait jamais quand est-ce qu'ils dépopent. C'est comme pour les... Allez, Voilà, je vais voler. les... Oh putain. L'invincible de Sonic. On sait jamais quand il disparaîtra. Ah! Putain, qu'est-ce que j'ai foutu Et on encore? sait jamais quand tu mourras, Julien. Voilà. Oh. J'en ai Mais qu'a marre. dit Yoshi's back? Oh, mais conneries de merde! Oui, maintenant on a mis le logo Nos Écouteurs et Grossièreté. Oh merde, putain. Nos Écouteurs et Grossièreté dans le début de la vie. Dans le début où il y a la musique. She's back, yeah. C'est vrai qu'on l'avait. Ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vu, le Oh, petit non, Yoshi. ça me tente pas vraiment, Gabriel Boom. Non. De quoi? Transformiste, là, j'ai l'impression. Mais dis-moi ce que c'est. Alors, Vincent, si tu y es, je te propose que on joue un peu après ce jeu au jeu Transformis, qui est un jeu par navigateur gratuit et multijoueur global. Donc, on joue par des salons, par la commande salon. Slash salon. Ouais. Son Mais et c'est ancien quoi nom, le quoi. principe du jeu en fait? Monsieur Gabriel, qu'est-ce que le principe du jeu? Ça je vais pas aimer. Faudrait que j'arrive à le tuer en fait en faisant comme ça. Sûr que tu veux pas remettre la Oh! musique du début? Non. T'inquiète. Je pense que ça Moi va il y aura plus. au moins une ambiance sonore ou Linon. Ou Linon. C'est des rouleaux qui a dit ça. Non, c'est moi. Ah, c'est toi! Tu m'impressionnes ça. Ah! Ah, mais bien joué! Adieu Yoshi, ben voilà! Oh, Yoshi! Julien, depuis le temps que je bouffe tes lives et que tu m'obliges à les faire, hein, je commence à connaître un peu, hein. Allez! Allez, mais. Non! Mais non! Ah! Fonce! Cours! Cours, petit Alors le Mario! Koopa dit, enfin non, Metka dit, le Koopa est placé tout pile, est placé pile pour se faire avoir ces cette fourberie. Et ouais, t'as Des vu. rouleaux dit Linon. m'étonnes. Zoloak dit, hé Oh Julien, putain! Il l'envoie à le port est 10 km à bientôt la. terminé. Quoi? Le port est bientôt terminé. Zoloak Ah, dit. mais c'est cool Des là! rouleaux dit Linon, avec un cœur. Avec. Sans. S'il te plaît. Oui, tu réserves pour Mehdi le cœur. Hein? Ah! Ça va, Julien? Il me faire avoir. Triple buse! Bon, c'est nul en fait. Alors, Et n'empêche, on va lancer un débat. chut, Julien. D'accord. Alors, Gabriel Boom 13 dit, tu contrôles une souris personnalisable par des jeux de plateforme où un chaman élu au hasard t'aide à récupérer le fromage, puis il faut que tu le remettes dans ton terrier. Non, ça me tente pas du tout là. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Oh putain. Non, mais Non. non, mais En casse-toi! fait, je crois que j'ai des amis qui m'attendent sur GTA 5 après ça. Non, c'est faux. Après, j'étais à 5. Ah! Arrête de crier! On sait jamais, hein. Et bim! Allez, on fait ça! Oh, j'aurais pas dû Oh! sauter! Un peu droite, ça c'était pas le meilleur pour Julien. Du coup, j'ai plus de spot à plumes. Si, il y en avait un. Ah oui, mais attends, il est à l'autre bout de la map. J'ai pas que ça à faire de. Bah, tu fais une avance. Ouais, même en avance rapide, c'est chiant. Mais oui. Tu mets en avance Mais rapide donc, contre on va quoi? pouvoir lancer. On va pouvoir parler un peu. La musique dans un jeu vidéo, pas vrai que c'est important. Parce que là, vous voyez, on n'a pas de musique dans. Mais ouais, je vais sauter dessus, elle continue. Mais c'est bon là, je Là, vous m'énerve. voyez, Julien est en train de mal jouer. Donc, c'est le câble. Ah, Oui, c'est ça, 18 vies! c'est le Ok, très câble. bien. Arrêtons-nous un moment. Mais
voyez, genre là, le niveau, il y a... Oh putain. Le niveau, il n'y a pas de musique, on se fait un peu chier quand même. Ouais, donc tu... C'était quoi le débat? C'était ça. C'était qu'encore il n'y a pas de musique. Vincent, tu casses les couilles. Mais arrête-toi. Arrête-toi. Respecte-moi. La carapace ou moi? Mais non, la carapace. Ah. Je vais essayer de faire glitcher. Attention, est-ce que les entraînements du Alors, soir Nemo avec nous dit Monsieur pas de musique, Desrouleaux, pas de vie. voilà. Est-ce que les entraînements du soir avec Monsieur Desrouleaux ont servi? Mélinone. Oh putain, ça a Oh! servi! Ah là là là, ça, mesdames et messieurs, ça c'était un beau glitch. Attention, mesdames et messieurs, on est chaud. Là, je Desrouleaux suis dit trop pas loin. de musique, Monsieur Desrouleaux mourut. Alors, Utilise rappel Metka dit sur oui. Monsieur Desrouleaux. Metka dit oui, c'est important pour l'ambiance, pour que ce soit vivant, quoi. Bon, ça veut dire qu'on Mélinone? Allez, je Mélinone. Ah merde. Mais en tout cas, je l'ai fait. Non mais lâche ma souris, Vincent. Ouais. Lâche la souris. Put the souris down. En tout cas, hey, les entraînements du soir ont payé, Monsieur Desrouleaux. Oh putain. Si c'était pour perdre le champignon bêtement ici. Allez, on s'en fout en fait. On va. Putain, mais je sais même pas où il le lance, con. Voilà, là il y en a un. Rien. Oui, non. Oui. Non, fais chier, j'aurais pas dû sauter. Crève. Putain, mais des fois je récupère son nuage, des fois pas, c'est n'importe quoi. Alors, The Doig dit, Julien, force que tu fasses des départs, il faut que tu penses à prendre la Putain, putain, place putain, de putain, putain. François Hollande. Hein? Non, mais moi, je vois jamais jouer dans la politique. Oh non, hein, c'est trop bien Je suis payé. pas un méchant garçon. C'est trop bien payé, mais tais-toi. Allez, le checkpoint! Il est là! Checkpoint! Non! Non! Oui! Oui! Tiens, qui Oui! a Lego Dimension ici? Putain, y a pas de checkpoint! Si, y en a un là! Et bim! Alors, Desrouleaux dit, eh ouais, monsieur Desrouleaux, t'as enseigné les techniques avancées de Mario World. Et Pas voilà! Mario World. Gabriel Boom 13 dit, faites des lives. Où on peut jouer avec vous, bordel. Mais on n'a pas la connexion, en fait, le Oh problème. putain, attention mesdames et messieurs, ah Oh! ça y est là c'est le soir hein. Ah là c'est le soir. Allez, allez, oh là là. Le problème, c'est en fait, on a une connexion très pourrie, on n'a pas la fibre. Ce qui Oui, fait en qu'en fait, fait. si c'est un jeu qui utilise une connexion internet, on peut pas. Parce que c'est-à-dire qu'on peut pas live dessus. Allez, va te faire voir toi. Ce qui est assez con. Ouais. Ah, Gabriel Boom 13 à Lego Marvel. Il est bien, lui. Ah mais il est bien lui. C'est vrai, il était bien, Hop. il y a Carnage, tout ça. Il... Allez. Alors, Non, lui, il jetait pas de pas de trucs. connexion, what? Non, mais en fait, c'est qu'on a une très mauvaise connexion. Voilà. Juste une très très mauvaise. En gros, là, tu vois, pour faire ce live, on doit arrêter tous les ustensiles qui utilisent de la connexion internet pour pouvoir live. Sinon, on est dans la merde. Et mettre nos téléphones en 4G. Mettre nos téléphones en 4G également. Pour avoir une connexion de 500 kilobits seconde. Et parce que pour ceux qui s'y connaissent un peu, on va redire les valeurs parce que c'est toujours très amusant. En download, on s'en fout. Pour les lives, ils s'en foutent le download. Ah là, c'est la fin. Là, c'est la fin. En download, on a. Tu vas réussir, tu vas réussir. Tu vas pas réussir, Julien. Tu vas te faire avoir. Tu vas te faire avoir. Ouais, en Tu vas download. avoir plus de temps. Putain, c'est pas la fin. En download, on a au maximum, on a 8 mégabits. 8 mégabits, enfin 8 mégabits de voilà de download et putain et en upload on a 0,8 mégabits au maximum. Donc pour faire un live, je peux te dire qu'on peut pas trop utiliser de connexion internet si on veut faire un live. Ah mais non mec, meurs pas ici, trou du cul! Je t'avais dit que t'allais crever. Voilà! C'est qui allait crever? C'est toi. Ça bouffe un max en plus. Ouais, on upload un live. Une fibre celui-là. Oui, une fibre. Hein, juste la fibre. Dire, putain, ils sont fibrés. Vous voyez là, il y a ma fenêtre là. Enfin, vous la voyez pas. Mais en gros, ici, il y a ma fenêtre. Il y a un rond-point. Et ben, vous voyez, de l'autre côté du rond-point, les bâtiments, ils sont fibrés. Et nous, ici, il faut attendre 3 mois. Et c'est l'éclate. 3 mois? 3 mois. Plus Six mois. les 3 mois pour être branché sur un Ah opérateur. oui, j'avais oublié. Tu vois?
Yeah. Oh là j'ai... Oh merde. Putain, même pas fait bugger le son. Yeah. On va produire chez le 3 avec votre foignon. Ah, voilà, regarde. Alors, The Lunch Base. Demeti dit configuration. Hey. Alors, Candy, je suis content d'avoir 100 de download. Derulo dit ah, et 70 en up. Ken dit yeah. Et oui, elle s'était mis vos heureux. Bande de. T'as de la chance. Bande de chanceux. Non, ça m'aurait tellement rien à dire. Ah, une vous fleur avez de la chance, bande de chanceux. C'est... Ouais, c'est très la classe. Oh putain, j'aime pas. The Lunch Base. Nanana. Oh, oh, et t'es doué toi. Et t'es doué, gamin. Alors, Derulo, lui, a 5 en up au lieu de 15. À quoi? Répète, please. Derulo a 5 en up au lieu de 15. Ah oui, ça c'est. Les fameuses. C'est les feux de l'amour des mégas en fait. Et ensuite, Metka dit, ça dépend de quel opérateur. Aussi, effectivement. Mais bon, en gros, faut 3 mois pour qu'il nous l'installe. Putain, y'a rien. Faut 3 mois pour qu'il nous installe la fibre et faut attendre après 3 mois pour qu'on soit l'immeuble. Enfin, il faut attendre 3 mois pour que la fibre soit installée dans le quartier. Puis 3 mois pour que la fibre soit installée dans l'immeuble et qu'on fasse. Et que, enfin, qu'il y ait les demandes de. Et que les trucs d'opérateur là. Ça, c'est une durée légale. Donc, je vois pas à quoi sert la durée légale de 3 mois. Ah sachant bah, que quand t'es fibré, tu pourrais demander à ce que tu sois fibré directement. Un P-switch, c'est génial. Oh putain, mais c'est quoi cette merde? Ah là, eh, j'ai essayé de vous putain, montrer. J'ai l'impression d'être dans un niveau de Super Meat Boy. Essayez de vous montrer une en fait, tech. Tu dois oh, je suis doué, putain. Et je suis doué, monsieur. Tu dois activer le P-switch pour faire tomber le P-switch qui ensuite te permettra de P-switch ça. Moi, je te fais mieux, Vincent. Putain, quel con. Ça a rien, le P-switch, il va tomber. Ah, oh, fais chier, ah, non, j'ai pas réussi. Ah, merde. C'est trop la merde ce niveau. Ah bah voilà pourquoi il. Bah voilà. En fait, t'aurais dû prendre le P-switch. Oui, mais en fait, si genre j'avais réussi à activer le P-switch et rentrer dans le tuyau avec le P-switch raplati, je serais ressorti du tuyau oui, avec un sais. P-switch neuf. Je sais. Oh, j'aurais pu faire un wall jump. Oh, j'aurais fait un wall jump, j'aurais gueulé là. Parce que c'est très la difficile. La fibre depuis plus de 2 ans. La machette, Vincent, la machette. Non, mais Vincent, j'ai rigolé, hein. Fais pas ça. T'inquiète, je suis pas con moi non plus. En tout cas, là, il y a la musique, ça fait plaisir. En tout cas, et je veux pas dire, mais le background, je le trouve vraiment, vraiment stylé. Ça fait vraiment genre base de lancement, quoi. Launch base. Romain vient de sortir de sa douche. Ah, Romain est revenu. Ça dure longtemps sa douche. Bon, oh, Vincent, t'arrêtes avec ces commentaires, voyons. Non, mais quand même. Les miennes, elles durent. Merde, mais c'est quoi cette merde? Tu dois l'activer, Julien. Mais c'est quoi cette. Regarde, tu dois. Voilà, tu dois faire comme ça et ensuite te dépêcher de prendre ça et d'aller de prendre le tuyau. J'ai fait de la merde, mais tellement en puissance. Romain. Re. Attention. Question, quel est votre niveau préféré, exemple, niveau aquatique, etc. Putain. Fou niveau aquatique. Ah ouais. Mais non, vous avez pas le droit. J'ai un qui se fait sauvagement attaquer par un ballon de basket. C'est un ballon de football, un hein, oh, en plus il y a le checkpoint. Oh, je serais mort ici. Ah, mais j'aurais été deg. Mais du. Oh. Normalement, là, j'aurais dû me faire toucher. Niveau de la plaine. Ah oui. Niveau de la plaine. Ah, moi aussi, le niveau de la plaine, là où il y a tous les petits mecs qui peuvent voler, qui s'envolent. Ah, c'est beau, Vincent. Tel de flocons rares. Putain. De rares flocons. Vas-y, prends une carapace. Voilà. Mais Julien, il ne reste plus que 83 flocons. Je m'en fous, j'ai le checkpoint. Là, j'essaye de découvrir. Ah, tu vas découvrir ta mort, wesh. Ah, merci la carapace. Un petit noco serviable. Non, de football américain, oui, c'est vrai. De football américain, oui. Football rond, c'est rond. Ah. Je viens de dire. Ah. C'est quoi ces petites capsules là en haut? Mais en tout cas, je le trouve bien ce background. Et franchement, il est stylé. Il me rappelle un peu le background de Sonic the Hedgehog 3 là. Le dernier niveau de Sonic the Hedgehog 3. Non, mais non! Mais what? Oh, tu te calmes avec tes ballons. Sonic, savez-vous que dans Sonic CD,
Si vous restez 3 minutes sans bouger, Sonic dira en anglais je me casse et sautera. Oh putain, c'était possible. Game over même si vous avez 3 vies. Oh merde. Oh, c'est le retour des sauts de merde. It's back. C'est incroyable. It's back and is not happy today, but it's the life. Ah, j'ai fait un bisou au poisson. Julien, il faut pas faire le bisou au poisson. Je regardais si c'est une sortie secrète. Non. Non, il n'y a pas de sortie secrète. Il est jaune. Ah, mais j'avais pas vu. Mais bon, excuse-moi de mon ignorance. Ouais, tu peux demander pardon, ouais. Ah! Mais putain, mais oh, calmez-vous les ballons de merde là. Donc là, il ça faudrait. Ça se termine à quelle heure? Bah, ça se termine à 20. Normalement à 21h, mais bon, on va un peu dépasser, je pense. Bah, comme d'habitude. Une bonne demi-heure. Une bonne. Tant que Julien termine le niveau, une bonne demi-heure. Merci Vincent. Au moins, je vois que toi tu crois en moi, ça fait toujours très plaisir. Ouais, bah, tu arriveras bien un jour ou l'autre. Hein. Un piège aussi, j'en ai absolument rien à battre. Ah non, je me suis trompé, tu arriveras jamais en fait. Alors, Matka a dit bonne nouvelle, ils vont rajouter des checkpoints dans Mario Maker avec la grosse mise à jour du 5 novembre version 1,20. Ça c'est cool. Ça c'est cool parce que il y avait certains niveaux qui manquaient de checkpoints. Ah mais du coup, il a pris finalement, comme dirait Nex. Enfin, comme a dit Nex. Pas forcément, il a peut-être juste été au courant. Oh putain. Oh, ah, fais chier. Tu t'es fait tellement avoir. Mais non, mais cassez-vous les ballons. Mais what? Mais putain, mais ils rebondissent. T'es nul. Non, toi, là, ça a exagéré, par contre. Ok, non, j'ai... Pour revenir au fameux débat. Voilà, ne reproche pas aux autres ce que tu peux reprocher à toi-même. Voilà, ça sera le proverbe du jour, bonjour. C'est incroyable comme tu t'es fait avoir en sautant alors que tous les trucs, ils étaient passés juste à côté. Et là. Oui, c'est un peu le but de se faire piéger, Vincent, en fait. Et c'est le but des ballons de basket, de football américain. Bah voilà, je suis pas sur la force, c'était mais oui, mais c'est toi qui m'as donné cette merde là. Tu dis que je fais de la merde et que je donne de la merde. Oh putain. Ça y est, il va faire encore de. Enfance persécutée. Allo, allo, monsieur l'ordinateur. Dites-moi. Qui a volé mon cœur? Ah, tu t'as pas connu Dorothée, toi? Ah, Dorothée. Ah! Faudrait que je le tue! Non! Mais putain! Même quand je veux essayer de le tuer! Mais crève! Putain! RIP Julien, comme dirait The Dark. Mais oui, RIP! RIP! Rest in peace! Ma pogger! Et bim! Casimir. C'est qui Casimir? J'ai Mathieu a dit Casimir. Ah. Dorothée la vieille époque. Ah oui. Ah. Attends, moi j'ai pas connu ça. Ah moi non. C'est triste hein. Putain. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils ont vraiment des trucs de merde. Genre nous, on est inconnus genre. Pour parler des dessins animés, tout ça, on a connu tout. Les débuts des dessins animés, genre. Quoi? Il y avait quoi? Il y avait les foot de rue, il y avait les. God Yoko, les trucs comme ça, même si moi je regarde pas, il y avait les Pokémon. Maintenant tout part en couille dans les dessins animés. Ça devient n'importe quoi. N'importe quoi. Ouais, c'est de la démagogie, monsieur. T'inquiète, Julien, il y a bientôt la Dragon Ball Super qui sortira en VF. Ouais, non, mais ça je m'en fous en fait, tu vois. Mais Julien, la vieille époque, Dorothée, tout ça, Dragon Putain Ball Z, c'était là-dessus, Julien. Si j'avais pas perdu mon champignon, je serais pas mort. Rase Moquette, le classique. Ouais, aussi, maintenant tous les dessins animés ils partent. Et vas-y, tout à l'heure je t'ai eu là, je t'ai pas. Tous les dessins animés ils portent n'importe quoi. Maintenant tout le monde fait de la pseudo 3D de merde là, que ça rend n'importe quoi. Pokémon. Alors, The Dweck, moi putain. Je connais juste Casimir, mais je ne connais pas le club de Rotterdam. En fait, on n'a pas pu le connaître, c'est ça le problème. Oui, c'est ça. Ça passait sur TF1. Au cas où, tu pourras demander à tes parents, The Drake. Ah, je suis sûr qu'ils Je pense qu'ils connaîtront. Enfin, vous devez demander à ta mère. Parce que peut-être moins ton père regardait. Peut-être.
Enfin, je sais pas, mais demande à tes parents. Putain, vas-y, mais oh, arrête de parler et concentre-toi. Je la ferme, c'est bon. Hein. Romain The Machine, Romain, dis, concentre-toi, je The Machine. Merci, alors, Romain. Ça fait plaisir, tu me donnes la liste. Franklin, etc. Oui, aussi. Putain, la Franklin. La dit non, c'était arrêté en 1998 ou 1999. Romain dit bonne soirée. The Luke dit c'est comment les mangas. Ah, Romain, il part. Ça part un peu en vous savez quoi. Là, Ken dit je déteste la 3D dans les dessins animés. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'ils ont repris du dessin animé dans. Enfin, oui, vraiment. Bah, vraiment. Putain, mais la même. Oui, continue, Vincent. Du dessin. Bonne soirée. Pour Super. Ah non, je pars pas. Ah. Pour Dragon Ball Super. Et ça, je trouve qu'ils sont très beaux les dessins pour Dragon Ball Super. Mais bon, là n'est pas les questions. La question est, est-ce que Julien va réussir à terminer ce niveau avant 22h? C'est vrai que là pour 21h ça va être chaud. Avant que le finisse dans la minute là tout de suite. La minute c'est impossible. Vincent, impossible n'est pas français. Ah en fait c'est Ken qui parle, non c'est pas Romain. Ah c'est Ken qui part. Bah oui. Ah oui c'est vrai qu'il fait son live, oui. Ça fait, bah, bon live à toi Ken. En plus Ken. A plus dans le bus. Oh là là. Oh mais quel humour hein. N'oubliez pas le grand Rex de Paris. Avec Vincent Brosse bien sûr. Ah. Non fais pas ça. Non. Oh oui. Attends il est mort. Oh oh oh, oh oui. 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 Allez on speed. Allez crève. Oh putain de petite. Merde l'autre il est respawn. Oh, putain non. Crève, fais chier. Toi tu me sautes pas à la gueule. Hein. Bon là maintenant ça va être la partie chiante où il faut faire les sauts. Putain ça c'est chiant par contre. Hein. Messieurs vous abusez. Putain ils vont plus tirer. Alors Nexus 13 dit non trop rugby. Putain, j'aime pas. Non. Pas trop rugby. Putain. Ouais, les rugbymen, okay. Ils sont chiants dans ce jeu. Hein. Les footballeurs américains. Rugbymen. Soit. Alors, Derulo dit Juju, n'oublie pas le oui à la fin du niveau. Là. Le syndrome oui. Derulas. Oh, j'en peux plus. Non, ça, c'est le truc. Ça, je peux littéralement me planter sur ça. Vous voyez, ah, mais c'est tu peux. Ah, c'est des pics. Mais oui, c'est des pics. Tu pensais que c'était quoi? C'était du bonheur. C'était du bonheur. Je vais rentrer dans un pic noir. C'est du bonheur. J'en peux plus. Il y a trop de trucs. Il y a une bibole là, une bibole là, un poisson là. Salut, c'est moi. Non, j'aime bien le poisson là qui saute comme ça. Là, salut, c'est moi. Tu m'as oublié. Non! J'en peux plus! Laissez-moi finir le niveau! 13 dit, c'est chaud la synchro. Oui, c'est très chaud. Les sauts comme ça, on avait fait saute, tout. Saute, Julien, saute! Chut. On avait fait tout un niveau comme ça avec des sauts où il fallait sauter, rebondir sur les ennemis. Oh mon dieu, c'était l'enfer! Avec la lave et tout. Je sais plus quelle lave c'était, mais c'était marrant à regarder. Putain, non! Oh attends, ils l'ont pas fait! Ah non, c'est bon, je peux tomber. J'ai cru qu'il alors, fallait. Alors, The Doig dit je regarde le live de Ken en même temps. Ah bah, c'est cool ça. C'est cool. Allez voir son live, oui. Hein. Est-ce que ça passe là où il faut rebondir sur une bille? Je pense que ça passe. Je te conseillerais d'attendre une bille. Putain, ça fout les stress cette merde! Connerie de merde! Ouais, mais y a l'autre là qui passe en même temps. Je l'ai désynchro. Ah là ça devrait passer. Ta gueule. Non. Oh, putain. Julien t'es sérieux? Putain. Idem pour des rouleaux. Et regarde les deux lives en même temps. Putain Julien t'es con. Ah j'ai jamais été bon sur les timings Vincent. Mais non mais c'est ta faute. Putain je l'ai tué avec mon cul lui. Puissance de fou. La plume est plus forte que la paix. Ta 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 ta. Ça va, Julien, sinon? Oh, je suis doué! Mais merde, saute pas en même temps que moi, du con!
Là, là c'est fini, là, c'est bon, j'ai foutu. Tu as le tutu chapeau pointu. Tu as le bien dans ton. Foutu, tu vas te. La la la. Cette musique commence sérieusement à m'énerver aussi. Chez toi, je te pète. Je prends le champignon, je reviens en arrière. Merci. Non, ma carapace. Good night and bon and good weekend. Demetchi. Good night, Demetchi. Thank night. You. Good weekend too. Thanks for coming to the live. Ah merde, normalement là j'avais une carapace. C'est pour ça que je me disais, il manquait quelque chose dans mon plan. Ah, je fais ça. Je fais ça. Oh, c'est une bonne technique. Merci. Ouh, quelle bonne technique. Je passe, je passe. Je passe plus, je passe plus, je passe. Putain, je me suis baissé là. Je me suis baissé, je vous assure. Là tu passais. Je postillonne comme un vieux cradeur. J'en peux plus. J'en peux plus. La technique, la technique. Remonte. Remonte pas trop quand même. La session 13 dit bye des métiers. Bye bye. Bye bye. Non. Ah. Putain, mais comme je gueule. C'est pas aussi fort que ça, Julien. Attends, là, à tous les coups, c'est une faute. Si je saute après qu'il soit passé, j'ai pas le temps. Il faudrait que je saute avant qu'il soit passé. Putain, mais ils prêtent pour qui? Pour Superman. Ah, lol. C'était marrant, ça. Paracémol. Paracétamol. Paracétamol, oui. C'est drôle. Mais crève, crève. Le mec 73. Alors, Metka dit bye de Metchi. Alors, The Dwayne dit regarde, regardez tous le live de Ken en même temps. Ils sont que. Ils sont que 3. Non, ceci n'est pas un classement de produits. Mais surtout, ne quittez pas le live des Jujunes Bros. Alors faites ce que vous voulez après tout. On va pas vous dicter comment vivre. Allez. 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 Romain, mais point d'interrogation. Quoi? Live de Ken, c'est Ken Gain Ken. Il fait un live non, aussi. Mais je crois qu'il a pas compris ce qu'il voulait dire. Ah. T'es méchant, Vincent, comme personne. T'es un méchant être humain, en fait. Bah, au moins... Il faut mieux dire la vérité aux gens que... La vérité sort de la bouche de fond. Oh! Attends, c'était quoi la phrase nulle? Merde. Attends. Il vaut mieux dire la vérité que de cacher... Pas... Yes! Yes! C'est je pas, suis passé avec mon power-up! C'était pas genre... Tu vois, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. C'est qu'il faut mieux... C'est dans son coin. Vous en disiez que dans son coin ou au lieu de... Non, c'est... Il vaut mieux mongoliser dans le secret de son... Faut dans la solitude, dans mongoliser dans sa solitude d'avoir que d'avoir une personne qui t'aide mais qui te sous-estime. Ouais, c'est pas faux ça. On a trop une mentalité d'assister dans ce pays. Oh, comme c'est de droite ce que tu dis. Oh, je vais le dire à Usul. Je vais dire à Usul que t'es de droite. Va faire une parodie de Merci Dorian. Il va trop faire une parodie de Merci Dorian. C'est de ta gueule. Ah! On mésestime souvent les longues séances de farming de Pokémon. Oh putain, là je passe. Tout comme je dirais d'ailleurs, pour moi que je suis libéral et que je. Je lis d'une main distraite. Ta gueule, Vincent. Moi j'en peux plus. C'est ici que je suis mort. Alors Romain dit t'es un bon, Vincent. Je sais pas. Oui, oui, ouais, tu vas faire maintenant.
c'est pas fini, c'est pas fini. Ah oh putain, y'en a un, une nouvelle feuille, attention. Articule, Vincent. Articule. Vous voyez dans Secret Stories, on la voit. Nous, on a l'intervenant extérieur, vous voyez. Je pourrais rester là. Gabriel Boom dit jouer à Matrice. Transformice. Ouais, il est sponsorisé par Matrice. Transformice, Julien. Ouais. C'était pas. En plus, je crois que c'était lui qui était venu au collège l'an passé avec un sac Micromania. Non, c'est toi ou un autre? Je sais plus. Enfin, l'autre, je sais comment il s'appelle, mais je vais pas dire son prénom. Ça se fait pas. C'était Diabloman? Non, pas Diablo. S'il te plaît, Vincent. C'était Polo Gourmand? Doué. Et bim. Headshot. Ah, regarde le panneau. Quoi? Le panneau. Mais il y a le panneau. Ah, mais montre-le moi ici. Je pensais que c'était dans le live. Non. Bon, à ce que je vois, Gabriel Boom 13 aime bien Transformice. Oh putain. Yes. Oh, c'est la fin. Et pour la peine, petit glitch de fin. Tu sais, c'est là que tu passes tout ton temps sur le glitch et que tu te prends un time over. Et au pire, je saute. Ah merde, bon bah c'était un glitch. Ah merde. Bon. Ah. On a fini ce niveau. 21h10, c'est bien. On va pas faire un live. Bah, de bientôt on l'a terminé. En plus, une save. Ouais. J'ai envie de dire. On va pas passer encore 30 minutes, c'est cool donc. C'est F2 pour sauvegarder, Julien. Attends, déjà tu la fermes. Non, je rigole. On aura fait quoi? On aura fait le niveau Brain Damage Final. On aura fait le niveau Silence et ce niveau là, le The Lunch Base, c'est cool. C'est cool. Pas le niveau de l'autre dimension là? Non, on l'a fait. Mais on l'a pas fait. Bah, Brain Damage Final, c'est lui. Oui, et c'est deux niveaux avant. Ah non, il y en a qu'un. Oui. J'avais compris le téléporteur pour un niveau mince. Donc oui, alors voyez, alors attendez juste oui, avant tu as loupé la fin. Avant que tu lises les commentaires. Voyez, on a 11 vies. Alors est-ce que vous voulez qu'on fasse les vies hors live? Quoique non. En live, on va tout faire en live, c'est-à-dire que si on a plus de vie, on ira les faire ensemble comme on s'est fait une autre fois, donc c'est pas grave. Oubliez mon truc, Vincent, les commentaires. Alors, donc, Nexon13 demande à Gabriel Boom si à quoi il joue d'autre. Transformers. Il n'y a pas que les... Alors, donc, tout le monde te dit GG. Merci. Alors, merci, Nexon, Romain, Julien, Desrouleaux, Un peu tout de même, mais... Plus des jeux style Minecraft, Terraria, etc. D'ailleurs, Gabriel Boom, j'ai une offre à te proposer. Attends, après. Attends. The Dweck a dit, j'ai loupé un truc. Nexus73 dit, il a pas gueulé. The Dweck dit, aura. Et Derulo dit, GG l'ami. Ouais, bon, bah, merci à vous. Alors, on va faire les saves. Hein. F2. Save traditionnel. Voilà, bon, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé ce live. En tout cas, ça aurait été un live un peu plus cool que la dernière fois. Oui, j'ai une proposition à te faire, monsieur Gabriel. Parce que puisque tu nous as fait une bannière et tout, je me suis dit, je vais lui proposer un truc. Tu me diras ta réponse. Je te l'enverrai sur Skype au cas où tu. On en parlera. Mais bon, en tout cas, merci d'avoir regardé ce live. Ça aurait été un live beaucoup plus cool, je trouve. Hein, on aura beaucoup moins chié sur les niveaux, très clairement. Bon, on aura gueulé, mais c'est parce que voilà, on gueule. Hein. De toute façon, maintenant, hein, on a le logo vous verrez quand on repassera sur le truc de fin. On a le logo No Headphone, donc No Écouteurs, No Casque, et le logo Peggy Grossièreté. Comme ça, vous êtes, au moins, vous êtes prévenu. Vous pouvez pas dire, ah là là, j'avais mes écouteurs. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. Merci à vous tous d'être venus. 1000 euros, 1000 dollars. 1000 dollars. C'est ça la proposition. Je peux faire une bannière. Tais-toi, attends. Merci Mario Fan. Merci Metka. En tout cas, oui, n'hésitez pas toujours. Alors, oui, donc là, on est bientôt à la fin. Vous voyez, alors là, je vais vous dire, ce monde, c'est le dernier.
Il nous reste. Attends, tu me souviens, il y a. Un. Tu comptes les deux... étoiles. Je crois qu'il nous reste 3 niveaux. Il nous reste 3 ou 4 niveaux avant la fin. Toutes les étoiles que tu vois, ce sont d'autres mondes ? Non. Il nous reste 3 ou 4 niveaux avant la fin, dont un niveau qui a une double sortie, mais la sortie secrète, enfin la sortie normale, c'est du bidon. Vous verrez pourquoi quand on y sera. Enfin non, attends. 1, 2, 3, 4... Il nous reste soit 4 ou 5 niveaux en comptant le niveau sur lequel je suis. Donc on est à la toute fin, donc je pense que d'ici 2-3 lives grand maximum, ça sera fini, parce qu'il y a un niveau là, il est plutôt retorse. Et je l'ai pas fait dans ma partie solo parce que je me suis arrêté bien avant dans ma partie solo, du coup on risque de rager beaucoup. Ça risque encore d'être un live à un niveau. Ou genre passer une heure de plus sur le niveau. En tout cas merci à vous d'être venu, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Donc bon maintenant je vais éviter de remercier un par un les pseudos parce que j'ai peur d'oublier quelqu'un. En tout cas on va dire merci à Nexet, Nexus113, The Drake, Mario Fan, Gabriel Boom, Demetchi, Ken, que je n'oublie personne, Romain et dites si on vous a oublié, Gabriel. Ouf. De toute façon, on vous remercie tous. On vous remercie tous. Vous en foutez qu'on vous dise pas ou pas. De toute façon, maintenant on va plus dire parce que c'est le truc à s'embrouiller. Donc on vous remercie tous, vous sur le chat et vous et Julien Desrouleaux, oui. Putain. Voilà. On vous remercie vous tous dans le chat et vous tous qui regardez tout simplement la vidéo le live sans pouvoir parler. J'espère que vous aurez passé un bon moment dans notre compagnie. Passez du coup une bonne soirée, une bonne rentrée. Hein, rentrée de vacances. Une bonne soirée, un bon week-end, une bonne fin de vacances du coup. Et sur ce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et à suivre le Facebook et le Twitter, à vous inscrire sur le site internet. À savoir aussi que sur le site internet, Next13 est en train de travailler sur un module de quiz où vous pourrez participer avec un système de classement. Bon, par contre, il faudrait être inscrit sur le site, mais bon, l'inscription est gratuite. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site pour parler dans le forum et répondez au sondage parce que dès que qu'on aura fini ce hack, les horaires du sondage seront mis en place. Donc voilà, donc pour le moment, je crois que c'est ex-aequo vendredi 20h30, 21h30 et qui est ex-aequo avec 20h, 21h. Donc voilà, allez voter, go. Et voilà, donc sur ce, on va passer sur Quiz Nintendo. Voilà. Donc merci à vous tous hein, comme merci. On dit. Et on va faire la petite transition. Voilà, on vous dit bye bye. On va mute nos micros et on vous dit à la prochaine. Attendez 2 secondes qu'on trouve les bons titres. Titre fin, vendredi 6 novembre, c'est bon. Voilà, et on met celle-là. T'inquiète, à bientôt. T'inquiète, envoyez mes oreilles.
Allez, à bientôt tout le monde. Bye bye. À la prochaine. Bonne soirée, bon week-end. Putain, j'arrive pas à mute. Bye bye.